suis d'accord avec... Tout le monde peut marcher. On est là pour mettre un symbole, on va le faire. Voilà, un symbole. Voilà. Madame Bouchard, contente ou pas contente, un interdit de mettre un dépôt de fleurs au monument aux morts, d'honorer les morts de la France, c'est-à-dire militaires, civils, résistants, et des morts en OPEX, et ben, on va le faire quand même, pour bien faire voir. Qu'un maire d'une ville qui me traite d'une ville française, qui me traite d'ultra-droite, elle, c'est encore pire, parce qu'elle bloque l'entrée des villes, elle a bloqué l'entrée des villes, elle fait un black coup de Calais, au monument aux morts, place Richelieu, il y a une chaîne avec un cadenas, vous voyez. C'est-à-dire que les anciens combattants n'ont même pas le droit de rendre hommage aux victimes de guerre 39-45, ni aux soldats, aux jeunes soldats, à l'heure d'aujourd'hui, qui meurent sur les terrains d'OPEX. Voilà Madame Bouchard, et c'est elle qui ose me traiter d'extrémiste. Elle a mis un black coup de Calais. On devait aller aussi mettre quelques fleurs au stade du souvenir. Où est-ce qu'il y a 5 résistants qui étaient fusillés le jour même de la libération de Calais. Au stade du souvenir, vous pourrez y aller. Les forces de l'ordre, les portes sont fermées. Et il y a des forces de l'ordre aux deux entrées. Maintenant, on va aller déposer le bouquet de fleurs. Au moins, ça sera symbolique. Et après, on va parler du général Picmal. D'accord ? Le procureur de Marseille a déposé une plainte contre moi pour racisme et appel à la haine raciale. J'ai passé 4 heures à la gendarmerie à réconditionner. Le procureur de Béthune a dit que c'était légal, que la mention était légale, vous voyez, et qu'il n'y avait pas lieu d'encourir des poursuites, qu'on pouvait me lâcher sur le champ. Vous voyez, voilà la grande différence. Alors, pour les journalistes, quand vous voulez une source, vous allez jusqu'au bout et non pas vous contenter de casser du bois, parce que vous êtes payé par des partis politiques pour dire ce que vous... On vous dit ce que vous devez dire. Moi, je ne réponds d'aucun parti politique. J'ouvre ma grande gueule et je dis ce qui est. Partout, Hollande l'a suivi. Nous avons des ministres, des ministres des Affaires étrangères. C'est une catastrophe qui suit les Américains. En observation, il s'agit d'une manifestation interdite. On va faire usage de la force, c'est la première sauvation. Désolé, mais. Deuxième et dernière sommation. Bougez. Bon, personne ne nous suit. Non, on est qu'à deux. Non. Bon, et bah, on y va. Monsieur, il demande juste de respecter la loi. Allez, on y va, Richelieu. C'est un OPEX par rapport au bon problème. Allez, après, Eric, pousse un peu. Allez, on poursuit. Bouclier en protection. Allez, on pousse un peu. Protéger l'interpellation, bouclier en protection. Bouclier en protection, protéger l'interpellation. Allez. Macron. Allez, aidez-le ou pas, que ça se passe bien pour monsieur. Non, bah d'accord. Aidez-le au moins. Allez. Non, il faut que je vais là-bas pour monter le trottoir. Voilà. Peut-être quand vous avez affaire, monsieur. Vous en parlez. Voilà. Ah, je vais prendre le temps, ça tient. Mais il n'y en a pas un qui va l'aider. Bordel. Eh, 80 kilos, c'est dur, hein. C'est pas la honte de la prendre. Thank you.
Moi, c'est un exercice.